Que la paix de Dieu soit avec vous tous, mes chers bien-aimés, frères et sœurs et amis dans le Seigneur. Moi, c'est serviteur pasteur Abraham Kalis qui salue au matin et entre la caillou avec une petite réflexion sur parole, mon Dieu. Jeudi, c'est jeudi 3 juin 2021 et une petite réflexion mène-nous dans Apocalypse chapitre 2, verset 10. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Gloire à Dieu. L'épreuve du chrétien. En pile monde comprend, lorsque yon moun accepte Jésus comme sauveur personnel, tout bagaille doit aller comme sur la houlette. Si t'as gagné un monde qui t'a évangélisé un autre pour t'a dire que de pour accepter Jésus, tout bagaille pour aller bien, comme sur la houlette, eh bien, monde ça a pas fait un bon travail. Un seul bagaille nous connaît, l'on accepte Jésus, c'est la vie éternelle. La vie éternelle pas épargne de épreuve. Et c'est peut-être ça, Jésus déclarait dans Marc chapitre 8, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ça, c'est une épreuve. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ça, c'est l'autre gros épreuve encore. Et en plus de ça, vous avez une lutte que vous devez mener chaque jour avec le monde, la chair et le diable. Ça, c'est une grosse épreuve. Et une bagaille qui est importante, c'est que lorsque Jésus lui dit à l'église de Smyrne que il pral souffrir, comment Satan pral jeter quelqu'un là-dedans en prison juste pour l'éprouver yo, eh bien qui te me dire ça, c'est une réalité. Lorsque nous fin accepter Christ comme sauveur personnel nous, eh bien Satan pas là gué nous yon mail. Il est toujours à bouleverser nous. Si vous voulez comprendre, allez dans Matthieu chapitre 4. Lorsque Jésus vient baptiser, la Bible dit Jésus poussé par l'esprit dans le désert pour le capable tenter par le diable. Ça veut dire que après conversion yon monde, après baptême yon monde, li doit prendre ça relé épreuve. C'est épreuve yo k'ap rend ni fort. C'est épreuve yo k'ap rend ni solide dans la foi. Si vous allez dans la Bible encore dans Romains chapitre 5, vous pouvez écouter que lorsque c'est monde qui éprouvé dans épreuve yo, ou vinn gagne persévérance, ou vinn gagne force, ou vinn gagne puissance lors éprouvé. Qui donc bien-aimé dans le Seigneur matin, on pas connait dans qui épreuve koyé. Et on a posé cette question, comment faire tout le bagage ça qui a privé là, parce que moi accepté Jésus comme sauveur personnel. Et bien, m'a dit c'est normal. Après, fin prend Jésus et mis en lui-même, il n'a pas lâché ou yon mai, juste pour le voir s'il t'a qu'à retirer dans le projet ça. Mais c'est bon Dieu qui quitte sa fête. C'est de manière que ou même pour capable ramasser foi ou pour capable grandir dans la foi. L'église de Smyrne, c'est une image de chrétien, je dis, qui a souffert à travers l'épreuve. Donc, par conséquent, moi-même avec vous, dans mitan épreuve, nous avons besoin de garder la foi. Dans mitan épreuve, nous avons besoin de fixer les yeux sur Jésus. Dans mitan épreuve, nous avons besoin de continuer à espérer dans mon Dieu. Parce que c'est dans l'épreuve, nous sommes capables tout à fait de connaître qui est ce qu'il est en tant que chrétien. Maintenant, nous voulons encourager vous. Pas quitter épreuve, faut marcher tête baissée. Pas quitter épreuve, faut virer Dieu garde derrière. Pas quitter épreuve la vie, faire virer d'obaï bon Dieu. Au contraire, toujours dit au nom de Jésus, moi plus que vainqueur. Selon ça qui est écrit dans Romains chapitre 8 verset 37, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fortifie dans mes épreuves. Que bon Dieu passe avec vous. Que le Saint-Esprit de Dieu vous force pour traverser et toujours connaître ça. Jésus, lui-même, il était passé épreuve ça. Il dit que les nous dans épreuve ça, que mes yeux nous fixés sur lui-même. C'est ça que Fowell dit l'Église de Smyrne. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Que bon Dieu bénisse. Nous quittons dans deux plaies, papa, mon Dieu. Ça ne fait pas qu'à passer mal. Bonne journée dans le Seigneur.